Salut à tous et bienvenue en cette soirée pluvieuse. La pluie qui a fait son apparition tout à l'heure, il semblerait malheureusement qu'elle ne doive pas s'arrêter de si tôt. Bon, du coup, le stade n'a pas fait le plein, mais je peux vous assurer que les spectateurs qui se sont déplacés sont pour l'instant survoltés. Espérons quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité technique des contrôles, que cette pluie va se calmer un tout petit peu en cours de match. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire quand on est simple, italien. Et ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Le bon ballon. C'est joué long. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Et dégagement du gardien. Il allonge vers l'avant. Oui, oui, il était hors jeu. Le long dégagement du gardien. Ça passera sur le côté. Ça va sur l'aile. La passe est précise. Il tire. Oh, quelle parade! Le gros dégagement. Il ne résiste pas au contact. Il peut y aller. Oui, il peut frapper là. Il peut encore frapper. Et il marque. Le premier but pour le Sénégal. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Il relance côté droit. C'est bien fait, ça. Il a trébuché sur cette intervention. Donc ça va partir vite. Il y a peut-être un coup à jouer. On peut y aller. À côté. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir.
Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel pour revenir dans ce match. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Voilà une bonne occasion de contre. Le ballon dans la profondeur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout, le ballon est perdu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Un ballon intéressant. Passe en profondeur. Ah, dommage. Ça joue à gauche. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Le gardien dégage, loin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. C'est joué long, attention. Il cherche la profondeur. Tacle glissé. Il reste encore un peu de temps pour tenter d'égaliser avant la mi-temps. Oh, le bon ballon! Il la tente! Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sous la ligne. Et la bonne intervention. Ça joue long vers l'avant, dans la profondeur. Il s'est énorme occasion! La parade! Magnifique! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Le corner est joué court. Il frappe. Il avait fait le plus dur pourtant. Oui, il allait dégoûter. Franchement, on ne comprend pas en plus. C'était tellement bien amené. Dans la profondeur, bien vu. Il peut frapper. Pas mal ce tacle. Mais le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ses joueurs s'impliquent, qu'ils soient plus concentrés. Coup d'envoi de la seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Oh, le beau geste! Le centre dans la surface! Un grand dégagement le plus loin possible. Longue ouverture sur l'aile. Il s'impose physiquement dans ce duel. Mais il va être sanctionné. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton.
Le coup de tête. Bien repoussé par le gardien. Oui, il était bien concentré. Bravo. Et c'est récupéré encore une fois. Le bon dribble. Ça peut faire mal. Ouais, il a préféré jouer la sécurité. Bon, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Et il cède sous la pression. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Le Sénégal qui cherche l'ouverture. Ça passera sur le côté. Il cherche un coéquipier dans l'axe. C'est bien repoussé par la défense. Il préfère repasser derrière. Il n'avait pas le choix. Oh, le bon tacle glissé. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Toujours 1-0, mais le score pourrait être plus lourd. Ader Gunay. Ils obtiennent la touche. La bonne interception. Ils sont décidément très solides dans cette zone. C'est bien de... Oh, la frappe! Oh, la parade de Muric! Oh, le contre, l'arme fatale! Dans la profondeur. Le bon ballon. Il va frapper! La frappe, attention! Quel but! Ah, il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Ça ne passera pas. Bon service dans la profondeur. Ça peut partir en contre. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, quel caviar! Attention, la frappe! Et ça rentre! Et ils prennent l'avantage! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable.
Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. La passe en retrait vers son défenseur. Le Sénégal qui cherche l'étincelle. Et il perd l'équilibre. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Oh, la frappe! Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Votre opinion, Darren, c'est terminé ou ils peuvent encore y croire? Je ne vois pas trop comment ils pourraient faire. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Qui est le premier sur ce ballon? Il va falloir qu'il se réveille. Il n'a qu'un petit but d'avance quand même. Le ballon dans la profondeur. Dans l'espace, bien vu. Oh, l'inspiration! Oh, c'est dommage! Quelle occasion! C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. On est dans le temps additionnel. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça passe à droite. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Mais ils vont sûrement repenser à toutes ces occasions manquées pendant la rencontre. C'est toujours décevant de repartir sans aucun point. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Bon, il y a plusieurs raisons à cette défaite, mais je pense que ce but en début de match leur a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses, Darren, comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. C'est toujours un plaisir partagé.